quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette épreuve d'ouverture. 1500 mètres à parcourir avec Italian Lakes qui se montre les plus rapides dès l'ouverture des boîtes. En deuxième position, il y a Royal Ransom, Captain James Cook, Obama à l'extérieur, Jack Sparrow qui tente de surmonter son couloir extérieur. Juste derrière, il y a Firewire, Bone Supreme, ensuite National Mayan Pale Palace, Prince Alwatan, alors qu'on se dirige vers le tombeau malarctique. Avec Italian Lakes donc, qui contrôle les opérations. Obama est en deuxième position à l'extérieur de Captain James Cook. En quatrième position, on retrouve Jack Sparrow. Ensuite, Royal Ransom qui est cinquième et côté corde, accompagné par Bond Supreme. Ensuite, Firewire, Prince Alwatan, Impel Palace, National Manor, dernière position. On se dirige vers la rue du gouvernement à 600 mètres du poteau dans quelques foulées. Italian Lakes va toujours très très bien à l'avant. Obama a trouvé les barres en deuxième position. Jack Sparrow est troisième. Captain James Cook reste dans le coup à son extérieur. Bond Supreme, Prince Alwatan s'est rapproché. Tout comme Impel Palace. Ensuite, il y a Royal Ransom, Firewire, National Manor. Les chevaux vont aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Italian Lakes qui, on le sent, très très fort aujourd'hui à l'entrée du virage. Il va être lancé maintenant par l'apprenti au lâche. On va tenter de revenir avec Captain James Cook, Obama. Mais Italian Lakes a toujours le meilleur. Et repart de plus belle avec Obama qui termine de plus en plus fort. Italian Lakes, Obama. Obama, Italian Lakes. Obama, Italian Lakes. Arrivé serré à la photographie. Entre Obama et Italian Lakes.